un camion. Ça faisait longtemps. Alors le pont qui est là. C'est le pont qui séparait le nord du Vietnam à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les communistes au nord ont plus ou moins pris le pouvoir. Et le sud était encore bien influencé par l'Occident, en particulier par la France. Et après le départ de la France, donc il y a une division qui s'est instaurée. Et donc il y a toute une zone démilitarisée qui s'est installée de part et d'autre de cette rivière et de ce pont. Et donc au nord du pont, par là où on est venu, il y avait le Vietnam communiste. Et au sud du pont, le Vietnam, on va dire, un peu plus occidentalisé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien du tout, mais la frontière entre les deux parties n'existe plus. Un bus, sympathique bus, on les aime, on les adore. Un zébu aussi, pourquoi pas, un zébu, un buffle, pardon. Et donc. Il y a donc des mémoriaux, enfin je sais pas si je pense qu'au pluriel c'est des mémoriaux. En tout cas ce mémorial là commémore la réunification des deux Vietnam. Et donc cette zone démilitarisée en tout cas, pendant la guerre du Vietnam entre le Vietnam et les États-Unis, ça a été la zone quasiment la plus militarisée, ce qui est assez ironique. Hello! Les gens, ils aiment bien nous dire hello. On a environ 3000 hello par étape, si ce n'est plus. Voilà, c'est beau, hein. Et la route est particulièrement sympathique.